Bon, en principe, le Facebook Live fonctionne. Okay. Donc, tous ceux qui veulent assister peuvent assister soit via Zoom, soit via le Facebook Live. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à Paul et Daniel qui sont nos intervenants ce soir. Bah. La raison pour laquelle on a cette visioconférence, c'est la nomination finalement d'un nouveau gouvernement belge. Donc, la Vivaldi qui est composée de 7 parties sur la base d'un accord de gouvernement donc, qui fixe les grandes orientations de la nouvelle mandature. Donc, on peut dire que le bilan en matière de justice fiscale du précédent gouvernement est quand même un désastre. Et donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le nouveau gouvernement va continuer sur cette voie? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va remettre en question ce qui a été fait pendant les gouvernements précédents? Donc, on sait que la fraude fiscale, c'est un problème immense. Expliquer en quoi c'est un problème, on pourrait y passer la soirée, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. On sait que ça, c'est un problème pour l'égalité entre les citoyens, un problème en termes de contrat social. Les répercussions de la fraude fiscale sont considérables, donc pour la marge budgétaire des États, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, comment assurer une santé, une retraite pour tous, assurer une transition énergétique et écologique, dont on parle beaucoup maintenant. On a bien vu aussi pendant la crise sanitaire du Covid qui continue jusqu'à présent à quel point on a besoin des services publics et à quel point malheureusement financièrement ils ont du mal à suivre. Donc maintenant, le but de cette soirée, c'est de faire le point sur voilà, qu'est-ce que compte faire ce nouveau gouvernement? Quelles sont les positions qu'il a prises en termes de fiscalité et plus spécialement de fraude fiscale? Qu'est-ce qu'il va récupérer ou pas récupérer ou changer par rapport au gouvernement précédent? Qu'est-ce que les militants pour la justice fiscale peuvent faire? Quelles sont les marges de manœuvre qu'on va pouvoir avoir pendant ces prochaines années? Par quoi on commence concrètement? Par quoi on peut commencer pour faire avancer les choses? Donc, ça, c'est des questions qui sont un peu la trame de fond de ce qu'on fait. Donc, nous, les organisateurs de cette visioconférence, donc on parle d'Attaque Wallonie-Bruxelles, du journal du réseau pour la justice fiscale. On est tous animés par une volonté d'éclairer les questions de fiscalité qui sont parfois présentées de façon extrêmement technique et du coup qui déroutent complètement les citoyens. Mais c'est des questions extrêmement importantes pour les citoyens. On essaye de comprendre comment on peut lutter contre la fraude fiscale qui est si mauvaise pour la société. Comprendre comment les gouvernements gèrent cette question et puis faire valoir les intérêts des citoyens vis-à-vis des gouvernants. Donc ce soir, pour en discuter avec nous, on a Daniel Puissant et Paul Dumbruch. Donc Daniel, donc tous les deux en fait sont des fonctionnaires retraités de l'administration fiscale. Daniel, de son côté, est membre d'Attaque Liège et coordinateur du réseau pour la justice fiscale, donc RJF. Paul, de son côté, est spécialiste de la lutte contre la fraude fiscale, même s'il est modeste, il dira que non, j'en suis sûre, mais si. Il a passé une grande partie de sa carrière à l'inspection spéciale des impôts pour travailler sur ce sujet. Donc la soirée va avoir lieu en 2 temps. Donc, quand je dis soirée, c'est de maintenant à 19h30. D'abord, dans un premier temps, environ 3 quarts d'heure, moi, je vais poser des questions à Paul et Daniel. On va essayer de faire en 3 temps. Donc, premièrement, on va poser le décor. Qu'est-ce que c'est la fiscalité, la fraude fiscale, de quoi on parle exactement? Ensuite, on va voir un peu ce que dit la Vivaldi sur la lutte contre la fraude fiscale, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et puis, dans un troisième temps, on va un peu regarder vers le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les actions concrètes qu'on peut mener dans ce contexte-là? Ça, c'est avec les 45 premières minutes. Et dans un deuxième temps, tout le monde peut poser ses questions et Paul et Daniel y répondront. Donc, vous pouvez poser les questions soit par écrit via le live stream Facebook ou sur Zoom, soit intervenir directement, donc en faisant le petit signe de la main. Et pour des questions courtes, parce qu'on essaiera de passer plus de temps sur la réponse que les questions. Voilà, donc ceci étant dit, on va commencer sans plus tarder. Paul et Daniel, merci encore d'être là. Pas de souci. Avec plaisir. J'avais une première question pour Paul.
une question évidente sans doute pour toi, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde. C'est tout simplement, qu'est-ce qu'on appelle fraude fiscale? On entend parler d'évasion fiscale, fraude fiscale, optimisation fiscale. Est-ce que c'est juste des mots ou est-ce qu'il y a, une différence entre ces trois choses? Ben, je crois que le mieux, c'est de donner une petite définition rapide, simple de chacune des notions. Et je rajouterai d'ailleurs une aux trois que tu viens de citer, c'est l'abus de droit. Donc, je commencerai par l'optimisation fiscale. Donc, ça, c'est très simple. C'est la recherche légale, j'insiste sur légale, de la voie la moins imposée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Ça, c'est en fait la même chose, mais au niveau international. Donc, en fait, c'est également une recherche légale de la voie la moins imposée. Donc, en fait, l'évasion fiscale, c'est une optimisation internationale, tout simplement. Une autre notion, c'est l'abus de droit. L'abus de droit, c'est en fait un ensemble de dispositions fiscales, et dans certains pays seulement une seule, qui permettent de contrer certaines optimisations nationales ou internationales. Donc, qui par essence, ces deux-là ne sont pas illégales, quoi. Mais un article de loi essaye d'éviter les abus. Donc, ce qui fait que ça devient illégal, mais pas de la fraude fiscale. La fraude fiscale, ça, c'est la quatrième notion. C'est la recherche, évidemment, illégale de la voie la moins imposée, quoi. Alors, il faut savoir que toute fraude de grande ampleur est toujours internationale, même si ce n'est que sur papier. Le mieux pour que vous compreniez bien ces quatre notions, donc optimisation fiscale, évasion fiscale, abus de droit et fraude fiscale, c'est de vous donner un petit exemple. Alors, prenons l'exemple d'une société belge qui fabrique des masques de carnaval à Charleroi. Et qui se charge de la vente aux magasins de farce et attrape au niveau international, Belgique, Allemagne et France, par exemple. Alors, en fait, il y a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est donc la société belge en question décide de déplacer son siège social à Vaduz, mais elle délocalise l'ensemble de sa production et tout son personnel. Et ben, ça, c'est de l'optimisation internationale, donc il y a parfaitement légal. Donc ça, c'est inattaquable. Deuxième hypothèse, la même usine de Charleroi reste en fait sur Charleroi, la direction générale aussi, disons que c'est à peu près 80 personnes, donc cela reste sur le territoire, mais tout le département en vente est délocalisé sur le Liechtenstein, donc sur Vaduz. Alors, jusque-là, rien d'illégal. Seulement, la direction générale de la société de Charleroi décide de facturer à sa filiale. Donc, je précise bien que la société créée à Liechtenstein est filiale de la société belge. Donc, elle décide de facturer à sa filiale le prix de revient des masques plus une marge de 20%. Alors, pourquoi 20%? Parce que l'ensemble des autres frais, c'est à peu près 20%. Donc, la marge moins les frais, ça ne fait pas de base taxable sur le territoire belge. Il reste 80%, vous avez compris, qui sont envoyés, qui sont finalement dégagés par la société de Vaduz. Alors, juste pour voir l'intérêt de l'opération, ISOC belge, donc impôt de société belge 25%, impôt de société au Liechtenstein 12,5%, donc la moitié. Alors ça, si vous voulez, c'est de l'optimisation fiscale partiellement légal, c'est-à-dire que la délocalisation, tout ça, c'est OK, mais c'est le fait d'avoir exagéré la marge transférée sur le Liechtenstein. Et il y a donc un article qui réprime, si vous voulez, l'abus de droit, et ça, c'est un abus de droit. Donc, en fait, ici, on est sur de l'évasion fiscale, de l'optimisation internationale, mais qui enfreint la règle de l'abus de droit. Mais ça n'est toujours pas véritablement de la fraude fiscale, c'est simplement un abus. Alors, je passe à la troisième hypothèse, où là, on rentre de plein pied dans la fraude fiscale. Au lieu que la société belge crée une filiale à Vaduz, les dirigeants, si vous voulez, créent une société à Vaduz en se cachant derrière les hommes de paille, et la société de Vaduz est à une adresse fictive, à Vaduz, où il y a 200 ou 300 sociétés du même type. Ce type de société à Vaduz créée, comme je viens de vous l'expliquer, ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une offshore. Ça, l'offshore correspond à ce type de société. Alors là, si vous voulez, donc,
que fait la société belge? Eh ben, plus exactement, que fait la société du Liechtenstein? Elle facture, soi-disant, pour sa recherche de clients au niveau international, 10% de la marge bénéficiaire. Là, on est de plein pied dans la fraude fiscale. Pourquoi? Trois raisons. La première, si vous voulez, c'est que vous avez bien compris que les dirigeants qui se sont cachés derrière les hommes de paille ne vont évidemment pas déclarer les revenus qu'ils touchent. En général, devrait mettre une série de coupes-circuits d'autres offshore panaméennes ou autres pour que l'argent ne puisse pas être tracé. Mais donc, ils touchent leur rémunération, plus exactement, ou leurs dividendes, et ne les déclarent pas, bien entendu, dans leur déclaration personne physique en Belgique. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Le grand public sait beaucoup moins, c'est que la législation belge, mais pas seulement belge, si vous voulez, sur l'impôt de société, le critère pour qu'une société soit taxable à l'impôt de société belge, ça n'est pas qu'elle soit belge. Elle peut être belge ou étrangère. Le critère, c'est la direction de Belgique. Donc, en clair, une société de Vaduz, qui en fait, ici, dans les faits, est dirigée par des Belges, elle est purement et simplement taxable à l'impôt de société normale sur le territoire belge, comme une société belge. Et donc ça, c'est une deuxième infraction. Donc on est dans la fraude fiscale, comme je le disais. Et alors, un troisième élément, si vous voulez, c'est qu'il y a une notion juridique qui est fort utile en matière fiscale, c'est ce qu'on appelle l'interposition fictive. Et en fait, les hommes de paille se sont fictivement interposés pour les dirigeants réels. Donc ça, c'est une infraction. Autre aspect, la domiciliation est également fictive. Alors, si vous voulez, ici je vous parle de la situation, des trois hypothèses, mais en analysant ces trois hypothèses, et finalement surtout les raisons pour lesquelles c'est de la fraude fiscale au niveau de la troisième hypothèse, ça permet de trouver un remède, et je pense un remède très efficace. C'est d'ailleurs en général la façon dont on attaquait les montages internationaux quand j'étais à l'inspection spéciale des impôts, c'est la domiciliation fictive et l'interposition fictive de personnes. En fait, je pense qu'il suffirait de voter une loi, si vous voulez, qui prévoirait des peines de prison lourdes pour toute personne qui sert de prête-nom dans des organes de direction de société, et évidemment toutes celles qui font appel et qui ont recours à des prête-noms, également lourde peine de prison pour toute personne qui assure la domiciliation fictive d'une société. Et je pense que ça paraît assez simple. Je peux vous garantir que si une telle loi est passée, ça serait un frein très important par rapport à la fraude internationale. J'en suis absolument convaincu, l'ayant pratiqué. Et en général, je vous dis, quelle que soit l'intelligence des montages, en général, le fraudeur passe toujours par de la domiciliation fictive, enfin pas toujours, mais 9 fois sur 10 par de la domiciliation fictive et surtout par de l'interposition fictive de personnes. Donc une simple petite loi, si vous voulez, qui ferait trembler les hommes de paille, c'est-à-dire qu'ils sauraient que ben, ce n'est pas une peine de prison d'un ou deux ans, mais de suite une peine de 5 ans, et surtout, chose importante, que les tribunaux les appliquent, mais ça me permettra d'en parler plus tard. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien, on est déjà à la fin de la conférence, on a déjà la solution. Donc voilà. oui, voilà, c'est ma petite solution personnelle. Je garde l'idée pour qu'on repose des questions à la fin. Moi, je retiens que ouais, y a des différences, mais que pour le commun des mortels, ce n'est pas toujours très, très clair. Mais que ouais, y a quand même, ouais, y a quand même un sacré niveau de fraude, y compris quand c'est pas légal, on peut aller quand même très très loin, quoi. Et même si les montages sont très diversifiés, si je comprends bien, il y a quand même un recours assez constant à des intermédiaires fictifs, à des hommes de paille. Soyons clairs, quand vous lisez le soir et disons qui étaient les journalistes pour ICJ dans les leaks, ils disent toujours que les montages ne sont pas forcément illégaux. Mmh. Je peux vous garantir que tous les petits gars qui sont allés chez Fonseca et qui ont été dans les différents leaks, mais si vous prenez 100 sociétés qui étaient établies là-bas, il y en a, et c'est vraiment par honnêteté intellectuelle que je dis 99 sont frauduleuses, parce qu'à mon avis, c'est 100. Mais quand on lit dans les journaux, on a l'air de dire, bon, ben voilà, il y a peut-être là-dedans des gens qui ont fait de l'évasion fiscale. Non, des gens qui vont là, c'est pratiquement toujours pour de la fraude fiscale. Voilà.
Merci beaucoup, Paul, d'avoir posé le cadre. Je me tourne un peu vers Daniel pour nous expliquer un peu ce que compte faire la Vivaldi et satisfaisant par rapport aux enjeux qu'on a en matière de fraude fiscale. Enfin, on comprend que les enjeux sont considérables. Donc, première question, est-ce que déjà la Vivaldi est en rupture avec les gouvernements précédents sur le plan de la fiscalité et notamment, est-ce qu'elle compte revenir sur ce qui a été fait par le gouvernement Charles Michel ? Le constat qu'on peut d'abord faire, c'est que l'accord du gouvernement est un compromis gauche-droite qui a été réalisé évidemment dans une certaine précipitation, dans un temps commercial limité. Donc, quand on entend déjà maintenant les réactions de membres du gouvernement, indirectes, évidemment, je ne les ai pas eues directement en ligne, mais enfin, beaucoup reste encore à négocier dans les prochains mois au sein du gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qui a été écrit ? Bon, on va dire, qu'est-ce qui est déjà annoncé, notamment, ben, c'est une large réforme fiscale, car notre système fiscal, d'après les membres de la Vivaldi, est trop complexe. Il y a trop de régimes dérogatoires. Donc, qu'est-ce qu'ils envisagent? Ils veulent améliorer la situation macroéconomique du pays, bon, et donc par conséquent les finances publiques, mais aussi ils veulent mettre en place un glissement progressif des rémunérations alternatives, par exemple ben, les avantages tels que les voitures de société. Donc faire glisser ça vers des rémunérations qui seraient donc en euros, soumises à cotisation sociale. Bon, ça, jusque-là, s'ils le font et s'ils y arrivent, tant mieux. Ça, c'est dans les objectifs. Mais dans cette réforme dite fiscale, dite équitable, on ne parle pas de globalisation des revenus, dont les revenus du travail, les revenus de l'immobilier, les revenus du capital, qui sont donc actuellement, en tout cas, les revenus du capital ne sont pas globalisés avec les autres, ce qui fait qu'ils sont moins imposés, puisqu'ils sont payés ils sont imposés au forfait. On ne parle pas de globalisation, et donc non plus de renforcement de la progressivité de l'impôt, parce que normalement, plus on gagne de l'argent, plus on paye de l'impôt, et notamment, ben, ça n'en parle pas. On ne parle pas de rétablissement des tranches supérieures d'impôt pour les hauts salaires et les hauts revenus en général. On ne parle pas évidemment d'impôt sur la fortune. Si on parle d'une contribution, et ça j'en parlerai peut-être plus tard, d'une contribution des plus riches, mais en tout cas pas d'impôt sur la fortune globale. Et encore moins, on ne parle non plus d'un rééquilibrage entre la taxation des grosses entreprises et des PME. Je crois qu'on a perdu Daniel. L'image est figée. Je ne sais pas, Daniel, si c'est moi qui ai une mauvaise connexion ou si c'est toi. Vous m'entendez ? Oui. Là, c'est bon. Ouais. C'est bon, OK. Alors, donc, qu'est-ce qu'on ne voit pas non plus et qui est évidemment, qui devrait être important, c'est pas de véritables mesures de transparence et de prévention sous couvert de respect de la vie privée. Donc vous avez donc dit, pas de transparence, pas de levée du secret bancaire fiscal. On parle de la consultation de données bancaires par les taxateurs au point de contact central de la Banque nationale, donc c'était déjà prévu, mais ici, comme dans le temps, c'est uniquement après une lourde procédure difficilement compatible et le timing très serré qui est en général donc imposé aux contrôleurs fiscaux. Donc, a priori, ils peuvent consulter le point de contact central, ils pourraient même avoir les soldes des comptes, très bien, mais sauf pour les taxateurs, on va dire qu'ils ont bien le temps, mais c'est quand même une petite minorité, pour les gros dossiers sans doute, la plupart n'ont pas prendre le temps de faire ça. On parle de réinstaurer une charte du contribuable, mais ça veut dire droit et devoir de chacun, mais ça risque quand même de limiter les possibilités de contrôle de l'administration fiscale. Il n'y a pas de réforme fiscale basée donc, sur la globalisation des revenus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pas de remise en question non plus du tax shift qui avait été décidé par le gouvernement Michel et qui permettait notamment, et qui permet toujours évidemment, de diminuer le taux d'imposition à l'impôt des sociétés qui est actuellement de 25%. Pas non plus de renforcement prévu des effectifs des services de contrôle de l'administration fiscale et de l'administration des douanes, alors qu'on a quand même constaté que le nombre d'agents dédiés au contrôle fiscal, par exemple à l'administration générale de la fiscalité, a baissé de près de moitié en 5 ans, et ça a occasionné, en certains chiffres en tout cas, une perte estimée pour le Trésor à plus de 900 millions du fait qu'on n'a pas donc remplacé les fonctionnaires qui s'en vont et que le personnel ne fait que fondre au niveau des contrôles. Par contre, ça c'est donc pas très positif, par contre, en ce qui concerne la coopération internationale, bon, en matière fiscale, la Belgique a souvent, en guillemets, ben, elle suit le troupeau, quoi. Et donc, si en matière internationale,
les choses avancent, la Belgique suit. Sauf encore sous le gouvernement précédent, où le ministre NVA, donc des Finances, faisait plutôt obstacle à toutes les avancées au niveau de l'Europe ou de l'OCDE. Ici, bon, l'accord, par exemple, au niveau des négociations du cadre inclusif de l'OCDE, bien, l'accord marque une véritable rupture, puisqu'on dit, dans le cadre des négociations, je lis le texte, concernant les régimes d'imposition, la Belgique jouera un rôle constructif et proactif. Bon, très bien. Et notamment, ils vont promouvoir le fait qu'il faut un impôt minimum global à l'impôt des sociétés, donc en ce qui concerne les multinationales. Donc, ils vont plaider pour que les multinationales payent un minimum dans chaque État, dans chaque juridiction. Très bien. Ça, c'est ce qui est mis dans la déclaration. Sur la question spécifique de la taxe GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, etc., là, ils remarquent que les entreprises actives dans ce secteur ne payent pas d'impôts, évidemment, en tout cas à l'endroit où les utilisateurs se trouvent, où sont établis donc, les utilisateurs, donc dans notre cas en Belgique. Et ce qui fait, évidemment, il y a une concurrence déloyale avec les commerçants et toutes les sociétés basées en Belgique. Donc là, ils préconisent d'avoir que la Belgique joue un rôle actif dans les négociations, les discussions au niveau de l'OCDE ou l'Union européenne. Et s'il n'y a pas d'accord international possible, là, ils disent que la Belgique instaurera une taxe sur les services numériques en 2023. Bon, ça, donc, pour ce point-là, on pourrait dire, s'ils le font, ben, tant mieux, mais encore, à mon avis, ce ne sera pas facile. Et en ce qui concerne l'Union européenne et la fiscalité, là aussi la Belgique, de nouveau, c'est une belle intention, assurera un rôle constructif pour faire avancer un certain nombre de projets européens, et notamment les projets européens en matière donc, de taxes sur les transactions financières. On en parle beaucoup maintenant avec la grève de la fin hein, de la route roue. Je ne sais pas du tout si la Belgique a beaucoup réagi par rapport à ça jusqu'à présent. En tout cas, ils le disent dans l'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont le faire. En tout cas, on ne voit pas grand-chose à ce niveau-là. Et alors, il y a évidemment le fait que la Belgique, également ici, préconise qu'il faut donc mettre avancer dans le projet d'assiette commune consolidée à l'impôt des sociétés. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'actuellement, les sociétés établies au niveau de l'Union européenne, dans chaque État, chaque État a sa législation en matière d'impôt des sociétés, chaque État, en guillemets, est souverain, et donc la base imposable est tout à fait différente d'un pays à l'autre, et n'en parlons pas non plus des barèmes à l'impôt, etc. Donc, ici, on voudrait donc arriver à un impôt consolidé, une assiette commune consolidée à l'impôt des sociétés, c'est un projet qui existe depuis des années et des années, c'est comme le monstre du Loch Ness, il réapparaît de temps en temps, et là, bon, ils sont pour, mais ce projet, si on veut vraiment le mettre en place, il devrait être lié à la transparence fiscale des multinationales par l'obligation pour ces sociétés de publier un certain nombre de données pays par pays, telles que le chiffre d'affaires, le bénéfice, les impôts payés, le personnel occupé. Ça permet de voir que certaines entreprises, par exemple établies à Jersey ou bien sur l'île de Man, ou peu importe, déclarent une grosse partie de leurs bénéfices dans ces pays, alors qu'ils ont zéro ou bien une personne occupée dans ces pays. Et donc là, le reporting pays par pays, évidemment, c'est une chose importante, mais là, le gouvernement n'en parle pas. Alors que c'est un dossier qui pourrait facilement aboutir au niveau de l'Union européenne, parce que là, il faut uniquement, pour ces législations, c'est la comptabilité, évidemment, il faut la majorité qualifiée au Conseil des ministres, alors qu'en matière fiscale, là, c'est toujours l'arrêt de l'unanimité. Donc, ils sont pour un certain nombre de choses, la base imposable à l'impôt des sociétés consolidées au niveau européen, ils sont pour, mais un moyen indispensable lié à ça, c'est donc la transparence et la publication des comptes pays par pays, et là, ils n'en parlent pas. Donc, vous voyez, c'est un peu comme je dis tout à l'heure, hein, c'est un accord gauche-droite, et là, c'est là qu'on voit qu'il y a encore des choses, à mon avis, à avancer au niveau à dire, des partis progressistes du gouvernement, s'ils veulent en tout cas ne pas se retrouver devant un électeur avec rien à présenter. Et un dernier point au niveau européen, il y a évidemment le plan de relance, le 750 milliards qui a été décidé en juillet. L'Europe a ouvert un débat sur le financement, qu'il s'agisse de financer le budget ordinaire ou bien de rembourser évidemment la dette de 750 milliards, la dette contractée pour le plan de relance suite au Covid. Là, sur ce débat, l'accord de gouvernement est ambitieux. Il dit « si l'objectif est de parvenir à l'union monétaire et fiscale à part entière, il exprime donc sous soutien explicite à trois ressources propres,
Donc la taxe carbone aux frontières, la taxe numérique et l'extension du système d'échange de quotas d'émissions au secteur aérien et maritime. Donc voilà trois points. On a donc un peu plus haut, il parle de la taxe sur la transaction financière. Ici, il n'en parle plus. Donc voyez, c'est quand même bizarre. Donc c'est un accord où il y a à boire et à manger. Mais en gros, c'est vraiment quand on va voir les faits, et j'en parlais peut-être tout à l'heure de la fameuse taxe sur les comptes titres, c'est en voyant les textes de loi et en voyant les choses qui vont être mises sur la table qu'on pourra réagir et qu'on pourra dire oui, est-ce vraiment un progrès pour la justice fiscale, oui ou non. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Du coup, l'aspect politique va être important. Qui est le ministère qui porte la fiscalité, etc. Ça me mène à une question suivante pour Paul. C'est en tant que fonctionnaire retraité dans l'administration fiscale, quel est l'impact au quotidien du politique, du rôle politique au-dessus de l'administration? Dans quelle mesure ça joue sur le travail d'un fonctionnaire qui veut bien faire son travail? Et qu'est-ce qu'on peut attendre en particulier de notre nouveau ministre? Est-ce qu'on a déjà un peu des idées sur ses orientations personnelles? Ben, disons que l'administration fiscale, comme tout le monde sait, c'est un organe hiérarchisé. C'est comme l'armée, il y a des rédacteurs, des vérificateurs adjoints, puis on monte jusqu'aux presse de l'administration. Alors, tout au-dessus, il y a le ministre, évidemment. Alors, dans le temps, si vous voulez, il y avait une série de fonctionnaires qui étaient, qui avaient de la moelle épinière, quoi, hein, et qui n'étaient pas trop politisés. Et depuis, on va dire, la fin des années 90, la politisation, une véritable gangrène au niveau de l'administration centrale, mais pas tous politisés. Le problème, c'est ceux qui n'étaient pas politisés, au fil du temps, c'est devenu des invertébrés, quoi. Donc, ce qui signifie que quand le ministre dit quelque chose, d'où l'importance du ministre, et j'y vais venir après, l'administration centrale suit, quoi. Alors, il y en a qui suivent parce qu'ils sont contents que le ministre prenne telle décision parce qu'ils ont la même tendance politique. Et vous verrez après ce que je vais dire au niveau de l'histoire des ministres des Finances, il y en a pas mal qui sont de la même tendance. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le temps, il y avait toujours quand même toute une série de fonctionnaires qui étaient là, je dirais, dans l'intérêt de l'État. Donc, des gens qui étaient capables de résister aux dérives ministérielles, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que je crois important, je crois qu'il y a peu de gens qui le savent, mais de parler un peu des ministres des Finances depuis 1830. Quoi. En fait, depuis 1830, il n'y a eu un ministre de gauche que pendant 2 mois. Ce brave homme s'appelait Eugène Soudan, donc il a été ministre des Finances du 12 mars 1938 au 15 mai 1938. Alors, les historiens me diront, oui, mais il y en a eu un autre, certain Henri de Man, mais ce brave homme, qui était aussi membre du POB, donc l'ancêtre du Parti Socialiste, lui, il était ministre des Finances, c'est vrai, de 36 à 38, quoi. Mais en fait, c'était une taupe pro-nazie, infiltré dans le Parti Socialiste. Alors, pour expliquer la différence, c'est pour ça que je ne le cite pas comme ministre des Finances de gauche. Si je compare, si vous voulez, Eugène Soudan, un véritable homme de gauche, 2 mois, et donc la taupe pro-nazi, 2 ans, pendant la guerre 40-45, si vous voulez, Eugène Soudan s'est fait arrêter par la Gestapo et il a fini la guerre à Buchenwald. Tandis que le brave de Man, lui, il a fui en 1945 parce que, c'est ce qui lui est arrivé un an après, il était condamné à 20 ans de prison pour collaboration avec l'ennemi, si vous voulez. Donc ça, on ne peut pas le considérer véritablement comme un homme de gauche. Donc résumons, depuis 1830, donc dans notre pays, nous n'avons eu un ministre des Finances de gauche que pendant 2 mois. Vous imaginez le nombre de fonctionnaires. Tant que c'était des fonctionnaires d'État, ça allait, quoi. Mais à l'heure actuelle, où il y a de moins en moins de gens, justement, qui sont capables de résister à des dérives ministérielles et disons tout simplement à des lois qui sont, surtout dans la façon dont elles sont rédigées, qui minent la justice fiscale, disons que c'est ce qui explique le fait que la Belgique est devenue un paradis fiscal, quoi.
disons, si vous voulez, mon point de vue personnel sur l'État belge, on est en fait un État rémora, quoi. C'est-à-dire qu'on vit sur le dos des requins de l'économie, et quand je dis de l'économie, à mon avis, pas seulement de l'économie classique, quoi. Je pense que pour toutes les mafias et pour tout l'argent sale de la planète, la Belgique est un bon pays d'accueil, quoi. Voilà, ça c'est un peu mon point de vue personnel. Oui, au niveau de Vincent Van Peteghem, donc le dernier ministre des Finances, alors lui, il est CDNV. Donc le CDNV est clairement à droite au niveau fiscal. Mais il est étiqueté ACV, ce qui est l'équivalent du MOC, quoi. Donc on va dire démocratie chrétienne, plutôt la gauche. Mais le problème, c'est que lui se revendique du centre du centre. Alors, question, mais je reconnais que je n'ai pas d'avis parce qu'il est très peu connu. Question, est-ce un homme de droite qui a simulé une fibre de gauche pour asseoir sa base électorale? Ou est-ce un homme de centre-gauche qui, au sein d'un parti qui est clairement à droite, a, disons, a masqué sa fibre de gauche pour arriver à monter? L'avenir nous dira dans quelle catégorie il est vraiment au niveau des faits, quoi. Voilà. Si je peux me permettre encore un tout petit commentaire, je crois qu'il serait sain au niveau démocratique qu'il y ait enfin un ministre de gauche, donc plus que 2 mois depuis 1830. Mais pour être honnête, c'est la même chose pour le ministère des Affaires sociales. Depuis 1988, donc sur 13 gouvernements, là c'était des hommes de gauche. Pardon, c'était des hommes de gauche. Donc sur 14 gouvernements, il y a eu 13 hommes du Parti socialiste, ou en tout cas de la. Oui, je pense que c'est uniquement du Parti socialiste. En tout cas, de gauche, on peut dire que les gens qui prenaient le poste, c'était plutôt de gauche. Il y en a eu 13 sur 14. La seule qui ne l'a pas été, c'est donc Maggie de Bloch. Mais pourquoi est-ce qu'elle l'a été? Parce que tout simplement, dans le dernier gouvernement, il n'y avait aucun parti de gauche. Donc, je pense qu'il. Et ça, c'est vrai aussi pour le. Donc, autant, si vous voulez, un ministre des Finances systématiquement de droite, ben, c'est ce qui fait qu'on est un paradis fiscal. En tout cas, c'est une bonne explication. Mais au niveau du ministre des Affaires sociales, c'est un peu la même chose, quoi. Le PS a peut-être un peu du mal. Il y a aussi des abus en matière sociale. Et le PS a un peu du mal, étant donné que ceux qui abusent font partie de son électorat, une minorité. Mais ça devait être réprimé également, et ça ne l'a pas été. Donc, je dirais que je plaide pour qu'il y ait quand même une espèce de tournante au sein de chacun des ministères. Voilà. Plus Merci. rien à ajouter. Pour l'instant. Mais donc moi, je comprends que la Belgique est un paradis fiscal, mais qu'en même temps, il y a quand même de la fraude fiscale vers ailleurs. Parce que, par exemple, le taux de 25%, ben, il y a quand même moins cher ailleurs. Donc il y a quand même encore moyen de frauder ailleurs. Et donc moi, ma prochaine question, c'était plutôt pour Daniel, peut-être. Donc merci de nous avoir expliqué un peu quels sont les... Bah, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de gouvernement? Bon, on sait que après, il faudra voir un peu dans le concret comment ça va se faire, mais est-ce qu'il y a quelque chose spécifiquement sur la lutte contre la fraude fiscale, du coup, qui serait de la fraude vers ailleurs que la Belgique, quoi? Ben, en fait, il y a donc des mesures quand même en lien avec la lutte contre la fraude fiscale dans l'accord du gouvernement et aussi dans la note de politique générale du ministre des Finances, une note qu'il a déposée à la Chambre début novembre. Qu'est-ce qui est dit? Bon, il est dit d'abord, premier point, des mesures seront prises au niveau organisationnel pour améliorer la perception des impôts. Ainsi, le ministre des Finances sera notamment chargé de la coordination de la lutte contre la fraude. Et on dit également que la capacité de la justice et de la police à traiter des grands dossiers de fraude sera renforcée. Bon, ça, Paul sera d'accord avec moi pour dire que la police et la justice, évidemment, avec le fisc, ce sont quand même des partenaires hyper importants pour lutter contre la grande fraude. Il manque évidemment de moyens, et encore plus maintenant qu'on les a affectés aussi à la lutte contre le terrorisme. Donc ils sont là un peu vraiment esseulés, sans moyens en plus. Enfin, et puis il faut regarder aussi l'état de nos palais de justice. Enfin bon, c'est vraiment un secteur complètement à l'abandon. Et donc là, bon, ben, dire qu'on va renforcer, il vaudrait mieux, parce qu'on était vraiment déjà 10 pieds sous terre. Il y a intérêt évidemment à renforcer. C'est la moindre des choses. Deuxième point, le collège de la lutte contre la fraude fiscale, qui n'existe plus depuis un certain nombre d'années, reprendra ses activités. Très bien. Parce qu'en fait, là, ce collège, il a comme but de coordonner en fait la lutte au niveau d'un certain nombre de services, hein,
comme la police, la justice, etc., tout ce qui est fraude sociale et économique, etc. Et donc, le fait d'avoir une coordination plus efficace, c'est vrai que ça pourrait être, et donc sous la présidence du ministre des Finances, ça pourrait donner une impulsion, si vraiment, évidemment, il y a une volonté politique de lutter contre la fraude, comme disait Paul il n'y a pas longtemps. Si le ministre des Finances fait ça comme une mesure de façade pour faire plaisir ou une mesure cosmétique, on n'aboutira à rien. Mais si réellement ce collège de lutte contre la fraude amène des dossiers qui ont une coopération et que réellement on arrive à vraiment à des résultats, tant mieux. Mais donc là, c'est la volonté. Ils veulent donc que ce collège se remette en place. Il fera suivre tout ça, évidemment. Il dit également, le ministre, qu'au sein de son administration, l'inspection spéciale des impôts et le CAF, c'est-à-dire le service de coordination antifraude, mettront en œuvre des mesures antifraude supplémentaires qui seront inspirées des recommandations de la commission spéciale sur les Panama Papers. Une commission donc, qui a été donc, présidée par Ahmed Laouesh, le Parti socialiste, qui a donc travaillé sous le gouvernement précédent. Cette commission a fait des recommandations, certaines ont été retenues par les partis de la majorité donc, du précédent gouvernement. D'autres très intéressantes ont été écartées. Bon, j'espère quand même qu'il va s'inspirer de toutes les recommandations parce que cette commission a travaillé pendant des mois, a réuni des spécialistes, il y a eu des auditions de plein de gens intéressants. Et donc, il y a pas mal de matière là-dedans pour faire avancer. Mais de nouveau, donc, s'il s'inspire de ça, tant mieux. C'est dans les intentions. Hein. Quatrième point, la mission et l'expertise en matière de construction fiscale privée internationale complexe sera regroupé au sein d'une cellule unique à l'inspection spéciale des impôts. Bon, ça ne mange pas de pain, on va faire une petite cellule, très bien, on verra ce que ça va donner, évidemment. Un peu technique maintenant, je m'excuse, il y aura un centre matière spécifique qui sera mis en place afin de permettre des contrôles fiscaux ciblés pour les contribuables étrangers. En effet, dans un contexte d'entreprise multinationale, il faut s'efforcer davantage de contrôler conjointement. Il faut s'efforcer de contrôler conjointement toutes les sociétés d'un groupe. Bon, très bien. Et donc là, l'analyse fiscale d'un groupe nécessite l'identification de toutes les interactions et de tous les risques au sein d'un groupe de sociétés. Très beau. Et donc là, ils disent que pour ce faire, les connaissances et les compétences des collaborateurs seront renforcées. Il y a du travail. Bon, ben voilà, très bel objectif, tant mieux si on y arrive aussi. Sixième chose, en ce qui concerne la sélection des dossiers, l'administration va optimiser, d'après le ministre, la sélection centrale des dossiers. Ça veut dire que les dossiers sont centralisés par ce qu'on appelle le data mining. Je crois que Paul va en parler plus tard, mais c'est une sélection centrale suivant un certain nombre de critères. Et là, le ministre veut que, pour cette sélection, on se base sur un équilibre entre, d'une part, donc, les données disponibles au niveau central, et d'autre part, la connaissance du terrain des taxateurs, qui est évidemment très importante et dont parfois on a tendance, enfin les gens de l'administration centrale ont parfois tendance à se méfier des taxateurs qui parfois quand même connaissent bien leurs contribuables ou les sociétés et qui peuvent quand même donner des éléments importants lorsqu'il faut sélectionner les dossiers. Donc voilà, donc six points que j'ai cités qui me paraissent positifs au niveau de la lutte contre la fraude. Mais voilà, ce sont des intentions, nous verrons. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Et comme tu nous as un peu teasé, il faut absolument que je pose la question sur les comptes titres. Ah ben voilà. Ben là, voilà, c'est la dernière. Enfin, c'est la dernière. On ne s'attendait pas à ce que ça vienne si vite. Hein, le gouvernement avait à peine un mois. Et donc, ils se sont dit donc, qu'il fallait faire contribuer les gens qui ont plus de moyens. C'est comme ça qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle la taxation des comptes titres. Donc, les comptes titres, c'est quelqu'un qui dispose d'un certain capital, qui met son capital, qui confie à la banque la gestion d'un certain nombre de titres, actions, obligations, etc. Et donc, évidemment, c'est des gens quand même un peu fortunés qui ont des comptes titres, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Est-ce, en fait, une bonne idée? Ben, en fait, nous considérons au niveau du réseau pour la justice fiscale que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne remplace pas un impôt sur la fortune, puisqu'en fait, seul le patrimoine financier est touché, mais une partie du patrimoine financier. On ne touche pas au compte à terme, aux comptes d'épargne, ni aux assurances. Les comptes titres ouverts en Belgique sont repris, mais les comptes titres ouverts à l'étranger, fatalement, on n'en parle pas. Les comptes titres ouverts en Belgique sont, par contre, ne sont pas repris au point de contact central auprès de la Banque nationale, le point de contact central, donc où sont centralisés tous les comptes, qui serait
qui sont en tout cas, je dirais, disponibles sur demande de l'administration, mais là, ces comptes ne sont pas repris, ne sont pas repris de ce point de contact central. Et par contre, donc, ceux ouverts à l'étranger ne sont pas du tout connus des institutions financières belges qui ne seraient absolument pas donc transmettre l'information au fisc. Donc pour nous, en fait, nous voulons vraiment un réel impôt progressif sur la fortune et la taxe sur les comptes-titres ne répond pas à cette revendication pour les raisons que je viens de donner. Et, d'une part, elle n'est pas progressive. Et puis, on sent très bien, d'abord, si on veut vraiment que cette idée, enfin, que cette législation sur les comptes-titres fasse de l'effet, produise des effets, il faut évidemment un certain nombre de contrôles. Dans quelle mesure l'administration va se doter des moyens pour contrôler, oui ou non, si les gens ne fraudent pas? Grosse question. Voilà. D'accord, merci. J'en profite pour dire aux gens qui nous écoutent que vous pouvez mettre vos questions dès maintenant, bien sûr. Hein. Si vous avez des questions sur ce qui a déjà été dit, si vous voulez rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas, parce qu'on va prendre les questions, puis ensuite on va les poser dans un deuxième temps. Donc n'hésitez surtout pas. Et bon, merci de nous avoir expliqué un peu, de nous avoir un peu débroussaillé ce que c'est que la fraude fiscale, l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que compte faire la Vivaldi? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement en attendre, même s'il y a encore beaucoup de questions? Pour essayer d'avoir une touche un peu positive, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, ma première question, ce serait peut-être pour Paul, qui a, vous avez tous les deux une expérience de terrain, mais ma question pour Paul, ce serait, en imaginant qu'on ne puisse pas changer la loi, puisque voilà, il y a peut-être des blocages politiques, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans même changer les lois pour lutter contre la fraude fiscale? Oui, très certainement. Je vais essayer de faire très court parce que c'était 45 minutes, je crois, pour la partie. Et il y en a 45. Oui, on a commencé un petit peu en retard. Oui, d'accord. Okay, oui. Je pense qu'on va bientôt. Là, j'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de faire dans le bref ce qui n'est pas mon fort. Ici, ce que je peux dire, c'est ceci, c'est que un gros point négatif au niveau de la Belgique, c'est moins les lois que. Parce que votre question, c'est sans changer les lois. C'est justement dans l'application des lois qu'il y a un très, très, très gros problème. Alors, je crois que le mieux, c'est de citer quelqu'un qui a un QI qui est le triple du mien et qui, lui, est connu, à la différence de moi. C'est un certain Thierry Hafschrift, le pape de la fiscalité belge. Alors, j'ai ici en face de moi, si vous voulez, un mail qu'il a envoyé en 2008 à ses abonnés. Hein. Et en fait, c'est un mail qui s'adresse en particulier aux inciviques français, donc ceux qui veulent quitter le territoire français parce qu'ils ne veulent plus contribuer à l'enseignement, aux autoroutes et aux hôpitaux français. Donc, dans ce mail-là, donc, il s'intitule « La Belgique », donc du brave Hafschrift, qui s'intitule « La Belgique de plus en plus attrayante pour les émigrés fiscaux français ». Et alors, il liste, si vous voulez, une série d'avantages. Je peux vous en citer quelques-uns, mais le plus important, c'est le dernier. Mais je vous en cite quand même quelques-uns. Donc, avantage de la Belgique. Il évite en général tout impôt sur les plus-values qu'il réalise sur son portefeuille. Et ça, c'est vrai que c'est un des gros avantages de la Belgique. Alors, que dit-il encore, ce brave homme? Il bénéficie d'un système fiscal nettement plus avantageux pour les revenus mobiliers. Et alors, il détaille. Mais ici, je voudrais insister sur le dernier point qu'il cite. Et last but not least, il dit exactement ceci dans son mail. Donc, le français, l'expat français, peut profiter du système du choix licite de la voie, j'insiste sur le mot licite, le choix licite de la voie la moins imposée, qui est inconnue en France, où l'abus de droit est sanctionné. Donc, ce système de choix licite de la voie la moins imposée, donc là je continue la citation, donc il dit ceci, ce qui lui permet donc au brave français, notamment d'organiser son patrimoine de manière à éviter légalement une bonne partie des impôts sur les revenus et la quasi-totalité des droits de succession. Donc ça, ce n'est pas, disons, un gauchiste, un crypto-communiste qui dit ça, c'est Thierry Hafschrift, le pape de la fiscalité. Donc là, forcément, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Alors, le problème, voyez-vous, c'est que ce principe, si vous voulez, du choix légal de la voie la moins imposée, en fait, ce n'est pas une loi.
C'est tout simplement une doctrine qui a été, je dirais, inventée, il n'y a pas d'autre mot, par des gens du même style que Thierry Afskrift. Et en fait, il faut vous dire que la plupart des fiscalistes de renom en Belgique, idéologiquement, ne sont pas très éloignés du Thierry Afskrift en question, donc avocat fiscaliste célèbre. Et disons que ce principe du choix légal de la voie la moins imposée, il est arrivé, si vous voulez, à formater l'ensemble du monde fiscal belge, jusqu'aux magistrats. Ce qui veut dire que la grosse difficulté au niveau des fonctionnaires, ce n'est pas tellement qu'il y ait des lois injustes, mais c'est qu'il y ait des lois justes qui soient appliquées de manière injuste. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux principe donc, qui au départ est un principe doctrinal, donc une invention d'avocats fiscalistes, mais ils sont arrivés à faire passer ce principe, si vous voulez, dans l'application des lois. Et c'est quelque chose qui est connu par tous les fraudeurs internationaux. La Belgique est surtout un paradis fiscal grâce à ce système qui fait, si vous voulez, que des fonctionnaires passent des années avec l'aide de la police, avoir de bonnes perquisitions, avoir d'excellents documents. Et avec ce principe-là, il y a moyen de faire sauter pratiquement tous les dossiers, si vous voulez. Et l'endroit où cette doctrine est la plus, si vous voulez, imprégnée dans la magistrature, c'est la Cour d'appel de Bruxelles. Je pourrais vous citer de noms, je devrais d'ailleurs, parce qu'à l'intérieur, là, il y a certains juges, manifestement, qui, pour moi, devraient se retrouver en poursuite disciplinaire interne. Et vous n'allez pas me croire, mais c'est le cas, le brave pape de la fiscalité, je ne sais pas si vous imaginez, donc c'est un avocat totalement extrémiste dans ses positions, qui est d'ailleurs pour la suppression de la sécurité sociale. Et bien, cet individu est conseiller de cour d'appel. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est donc avocat, il défend des fraudeurs. Je crois qu'il faut nous expliquer un peu, il faut nous expliquer un peu cette subtilité, parce que les gens, le commun des mortels, comme moi, ne connaît pas, se demande comment c'est possible qu'un avocat puisse être à la fois magistrat, quoi. Oui, mais ça, à mon avis, c'est parce que vous êtes d'origine française. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les Belges sont capables de faire. Oui. Eh bien, c'est une loi, mais c'est tout à fait vrai, une loi qui date d'une vingtaine d'années. Donc, étant donné qu'il n'avait pas assez de magistrats dans les chambres fiscales belges, au lieu, si vous voulez, d'en former ou d'en attirer, ben, on a choisi d'aller prendre des avocats fiscalistes. Donc, en fait, c'est prendre des contrebandiers pour être garde-chasse. Ouais. Et alors, le sommet du spectacle, si au moins on avait pris des braconniers, voilà. Si on avait pris des braconniers qui tuent de temps en temps petit lapin, etc. Mais ici, on a pris des braconniers qui tuent des biches à la mitrailleuse. Donc, c'est-à-dire que, et ça, c'est Afskrift. Afskrift, ça, c'est le sommet du spectacle. Alors qu'un type comme Afskrift, donc, qui est un extrémiste fiscal, ait été nommé conseiller de cour d'appel, ça, c'est phénoménal. Non, un Français ne saurait pas comprendre ça. Non, ça n'est pas possible. Non, ça n'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et j'en profite pour dire que, parce que Thierry Afskrift, il est aussi dans le viseur d'attaque. Attaque a mené. Enfin, moi, je suis assez nouvelle à Attaque, donc je ne vais pas m'envoyer des fleurs à moi, mais plutôt aux collègues qui ont fait un travail énorme et qui continuent. Et donc, leur travail, c'est de lancer des plaintes déontologiques contre alors des avocats, des réviseurs d'entreprise et des comptables qui tous, donc comme ce Thierry Afskrift en tant qu'avocat, ils sont censés être auxiliaires de justice, donc ils sont quand même censés aider le travail de la justice, mais en défendant leurs clients, et en fait, ils servent d'intermédiaires pour créer de la fraude fiscale, en fait, pour aider leurs clients à frauder la loi du pays qu'ils sont censés servir, hein, dont ils sont censés servir la justice. Donc, Attaque a lancé des plaintes en déontologie, donc devant les ordres, donc l'ordre du barreau, l'ordre des réviseurs, etc. Donc c'est en cours. Il y a beaucoup de travail et pour l'instant, le retour est plutôt négatif. Il se serre un peu les coudes. Donc voilà, Attaque va continuer le dossier. Et, excellente initiative. Bah, je trouve aussi. C'est clairement pas mon idée, c'est très brillant. Ouais. Je trouve aussi, c'est un peu étonnant que ça soit
que ça soit si compliqué, en fait, parce que c'est quand même des auxiliaires de justice qui sont censés aider la justice à fonctionner. C'est pour ça que quand on est avocat, on a un monopole pour représenter ses clients. Il faut être un avocat. C'est le droit qui donne cette possibilité. C'est une forme de privilège. Mais ça devrait venir avec des devoirs. Donc ça paraît évident que ça ne devrait pas être possible pour ces gens-là de faire ça, quoi. Mais ça ne l'est pas. Et maintenant, ma question... Par rapport aux plaintes, je mets juste dans le chat le lien vers le site d'Attaque Bruxelles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette action donc d'Attaque, qui vise notamment des avocats donc, qui ont abusé et qui ont carrément fraudé le fisc, et qui sont donc dans une plainte ici déontologique initiée par Attaque. Donc, j'ai envoyé le lien dans la conversation donc à tout le monde. Ouais, super. Et effectivement, toutes les infos sont là-dessus. Et donc là, il y a des procédures d'appel qui sont en cours. C'est clair que Attaque ne va pas lâcher, quoi. Il y a des choses qui vont être faites derrière. Voilà, il faut pas hésiter à aller regarder le site d'Attaque. On peut aussi s'abonner à la newsletter pour avoir des infos régulières, participer aux questions. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur ces plaintes. On peut aussi soi-même faire une plainte, parce que plus il y aura de plaintes, plus il y aura une sorte d'effet d'entraînement. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Il faut rappeler qu'il n'y a aucun risque et ça ne coûte rien. Enfin, on envoie un mail et ici, il n'y a aucun risque pour la personne qui se joint aux plaintes d'Attaque. C'est ça, aucun coût, aucun risque. Et donc, j'en viens à la question un peu pratico-pratique, quoi. Voilà, ça, c'est une des choses qu'on peut faire en tant que militant, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, vous, en tant que spécialiste de la question et que ancien fonctionnaire, est-ce que vous voyez des choses qu'on peut faire? Paul nous a déjà donné quelques pistes, notamment sur l'application de la loi qui pose problème, qui devrait être améliorée. Daniel nous a parlé du fait qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires et que on n'a pas l'impression que le nouveau gouvernement veut régler ce problème. Paul nous a donné des idées sur une nouvelle loi qui empêcherait les hommes de paille, enfin, je ne sais pas, en tout cas, qu'il y aurait une présomption qu'être un homme de paille, a priori, c'est pour faire de la fraude. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui seraient possibles? Est-ce qu'en tant que militant pour la justice fiscale, on peut faire quelque chose? Et puis ensuite, je prendrai les questions de l'audience. Ok. Je ne sais pas qui parle le premier. Je vais bien y aller. Ok. Qui va, Paul? J'y vais, n'importe. Bah, je suis le plus âgé. Vas-y, alors. Vas-y. Vas-y. Oui. Mais des choses à faire, on pourrait vous en citer jusqu'à demain matin. Donc, le tout, c'est de faire le tri, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez faire en tant qu'organisation? Je crois que j'avais préparé un petit papier. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Voilà. Ben, ce qu'il y aurait moyen de faire, étant donné que, en tant que type de terrain, donc ce que j'ai dit en dernier concernant la doctrine fiscale qui avait une triste influence sur la jurisprudence belge, ce qui serait pour moi, si les organisations pouvaient pousser à ça, ce qui serait important, c'est d'avoir une revue d'État, quoi. C'est-à-dire une revue, si vous voulez, qui, sur les grands sujets fiscaux, serait alimentée par des hauts fonctionnaires d'État. Il y en a plus beaucoup, mais on doit certainement encore en trouver un ou deux qui se cachent. Ou des avocats modérés, fiscalistes, ça existe aussi. On les entend pas, ceux-là, mais qui auraient l'occasion, si vous voulez, par rapport à toute une série de revues totalement biaisées, il y aurait une revue d'État, si vous voulez, qui donnerait, donc pour les contribuables normalement civiques, personne n'est totalement civique, mais on va dire normalement civique, aurait le point de vue des revues fiscales actuelles qui vont toujours dans le même sens, truander l'État, et une revue d'État, ce qui fait que les gens pourraient au moins avoir un point de vue différent. Ça, ce serait à mon avis déjà une bonne chose. Alors le reste, je vais le dire assez vite. Ce qu'il faudrait faire, évidemment, c'est abroger la loi qui permet à des avocats de se retrouver magistrats, surtout quand ils continuent à... Ça, c'est abroger la loi purement et simplement. Ce qu'il faudrait aussi, vu que vous êtes française, vous avez chez vous, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas parfait, mais il y a l'ENA, l'École nationale d'administration, c'est ça, qui forme, je suppose, quand même plus ou moins des gens qui sont là pour l'intérêt général, même si ce n'est sûrement pas parfait.
mais en tout cas, il y a certainement, par rapport, si vous voulez, aux universités belges, où se trouve, je vais reparler de lui, c'est une fixation, de Thierry Afschrift, qui est en plus professeur. Vous imaginez un petit étudiant qui se fait bourrer le crâne par un gars comme ça. Il a dû, à mon avis, lobotomiser des générations de gens qui sont devenus soit avocats fiscalistes ou bien pire, magistrats, vous imaginez. Donc, si vous voulez, là, il faudrait une école, disons, où Afschrift pourra aller parler, mais que quand lui parle, il y a quelqu'un d'autre qui est, si vous voulez, un point de vue différent, quoi, et qui ouvre l'esprit aux étudiants, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Transaction pénale, contrairement à ce que beaucoup disent, il ne faudrait pas la supprimer, parce que je pense que pour désengorger les tribunaux, c'est quelque chose de nécessaire, mais il faudrait... Pardon, juste avant, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est la transaction pénale. Ah, pardon. C'est le fait, disons, pour un contribuable qui se fait attraper, par exemple, pour fraude fiscale, il est, mettons, passible, s'il a commis des faux en écriture et de la fraude donc, fiscale grave, de 5 ans de prison. Je sais que ça fait rire tout le monde, parce que c'est appliqué, c'est jamais appliqué, mais c'est la loi, quoi. Essayez de vous imaginer que c'est dans la loi. Voilà. Et ben, si vous voulez, si à un certain moment il se sent vraiment mal pris, ben, il peut avoir une transaction pénale avec le parquet. Et là, finalement, il paye ses impôts et une amende, et ça lui évite non seulement. Maintenant, ça a peut-être un peu changé, je crois qu'il n'a même pas de casier judiciaire. Mmh. Donc voilà quoi. Donc en gros, ça, c'est le type même de mesure qui est justice de classe, quoi. Mais d'une certaine manière, même avant la transaction pénale, comme on est de toute façon, nous les fonctionnaires, beaucoup plus trop, pas assez nombreux, et les policiers, c'est la même chose, et les juges aussi, il faut pouvoir transiger. Mais pour moi, il faut mettre deux conditions qui n'existent pas à l'heure actuelle. Hors de question qu'il y ait une transaction pénale après la chambre du conseil. Donc, c'est-à-dire quand le dossier est au stade de l'instruction, que des gens leur disent « Ok, gars, tu la joues à la belge, tu as joué, tu as perdu, tu mets les cartes sur la table, et toutes les cartes sur la table, et ça t'évite d'aller en chambre du conseil. » Ça, oui, mais permettre la transaction pénale au-delà de la chambre du conseil, c'est une véritable honte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pourrais en dire bien d'autres, mais attendez, là, on est à... Oui, je suppose que les 45 minutes sont écoulées. Donc, je vais m'arrêter. On est en train de faire une transition un peu soft vers la deuxième partie. Daniel, oui, ben, ce que je voulais dire, ce qu'il faudrait faire, c'est aussi bien au niveau national qu'international. La première chose, à mon avis, en tout cas au niveau national, c'est lever le secret bancaire fiscal. En fait, les autorités fiscales n'ont pas vu d'ensemble des actifs financiers qui sont détenus par les contribuables belges en Belgique. Par contre, ils ont, avec l'échange d'informations, donc sur base des réglementations européennes et de l'OCDE, ils peuvent avoir des informations sur les actifs financiers détenus par les Belges à l'étranger. Donc ça, c'est une anomalie, évidemment. Donc ça devrait... Et en plus, s'il y a levé du secret bancaire fiscal, c'est beaucoup plus facile, si on veut évidemment mettre en place un impôt progressif sur les gros patrimoines que nous préconisons. Daniel, est-ce que je peux me permettre de t'interrompre sur ce coup-là ? Oui, bien sûr, Paul. Ce sera la seule fois, c'est juré. Oui, aucun problème. C'est que ce que les gens ne savent pas, et les écolos ont essayé au départ, parce que c'est surtout eux qui sont à la base de la levée du secret bancaire, ils ont essayé de faire passer une chose qui leur avait été demandé par une série de gens, dont moi, c'est que, si vous voulez, devait être mis au nom d'un contribuable non seulement les comptes dont il était titulaire, mais bien évidemment aussi les comptes sur lesquels il avait procuration. Essayez de vous imaginer, vous créez une société à Panama, vous avez procuration sur le compte, et bien le compte belge qui est au nom de la panaméenne sur lequel vous avez procuration n'est pas mentionné. Donc si le fisc lève le secret bancaire, elle ne saura pas que vous avez une procuration sur le compte de la société panaméenne. Donc ça, là, pour une fois, je suis d'accord avec Afschrift, parce qu'il avait une fois écrit un article disant c'est un article qui ne permettra d'attraper que les crevettes. Moi, je rajouterais juste les crevettes et les gros poissons imprudents, quoi. Mais les gros poissons prudents, ceux-là, ils passent à travers, quoi. Donc ça, c'est une véritable honte. Excuse-moi. Tout à fait exact. Tu as bien fait de compléter. Évidemment, moi, j'étais au principe général pour aller vite, mais tu as bien fait de compléter. C'est tout à fait 100% exact. Évidemment, une autre mesure qu'il faudrait faire, c'est interdire toute transaction économique vers les paradis fiscaux, sauf évidemment si on peut prouver qu'il y a une transaction qui correspond à une activité économique réelle dans ce pays. Hein, on peut imaginer qu'il y ait des transactions économiques réelles entre la Belgique et le Panama, mais en tout cas, quand ce n'est pas prouvé,
il faudrait pouvoir interdire cette transaction. Et alors, évidemment, on a parlé tantôt d'AFSCRIFT et d'autres, il faut évidemment imposer des sanctions beaucoup plus sévères à tous les responsables, toutes les parties prenantes et les intermédiaires impliqués dans la fraude et l'évasion fiscale, y compris la fermeture ou des sanctions, quoi. Bon, que ce soit des avocats fiscalistes, des comptables, des bureaux fiscaux, les banques, les bureaux d'audit, toute une série de gens qui sont absolument indispensables pour pratiquer la fraude ou bien l'optimisation fiscale internationale, mais avec abus de droit, comme tu disais tout à l'heure. Toutes ces personnes-là, si on met la main sur eux, évidemment, il faudrait pouvoir quand même qu'il y ait des sanctions réelles, ce qui n'est absolument pas le cas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la justice n'envoie jamais, évidemment, des gens en prison. Et donc, c'est un petit peu un problème, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de peur du gendarme, c'est clair que… Et à partir du moment où les amendes sont quand même parfois largement inférieures aux bénéfices revenus de l'opération, et encore, ça c'est dans le cas où il y a une amende et réellement on a mis la main dessus, mais dans la plupart du temps, évidemment, les risques sont tellement faibles qu'on mette la main sur les personnes qui font des actes illicites, qu'évidemment, ils peuvent continuer comme ils ont toujours fait. Et alors, évidemment aussi… Oui, Paul, tu voulais dire quelque chose ? Non, je disais tout à fait. Ok. Et alors, évidemment, pour compléter ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au secret bancaire, évidemment, il faut pouvoir établir une enquête lorsque le compte du titulaire n'est pas connu actuellement. Donc, pour en lancer une enquête, il faut évidemment la personne physique ou la société… Il faut un numéro national, mais il faudrait qu'on puisse pouvoir faire des enquêtes lorsque le titulaire n'est pas connu. Et alors, évidemment, l'enquête en matière, donc, en matière d'impôt sur les revenus, elle devrait également avoir lieu sans qu'on doive… Donc, c'est-à-dire actuellement, pour être plus clair, lorsqu'on veut contacter le point de contact central de la Banque nationale, le fonctionnaire doit avoir un indice de fraude fiscale. Évidemment, c'est complètement fou. Imaginez, c'est un exemple donné par Marco Vanès, imaginez que le policier qui arrête une voiture en disant « soufflez dans le ballon », il faudrait avoir déjà la preuve avant pratiquement que la personne a bu de l'alcool. C'est complètement idiot. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe ici avec le point de contact central. Il faut avoir des indices de fraude pour pouvoir contacter. C'est beaucoup trop lourd. Évidemment, tout ça a été fait pour faire plaisir à la droite, mais c'est clair que l'enquête doit pouvoir être mise en place sans qu'on doit préalablement disposer d'éléments de fraude. Ça me paraît tellement normal, mais ça ne se fait pas en Belgique pour les tas de raisons qu'on a déjà dit tout à l'heure. Et alors, un dernier point que je voulais dire aussi, c'est l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière a vraiment été fort malmené par le précédent gouvernement Michel. Donc, cet organisme a été dispatché dans toute une série d'arrondissements judiciaires. Il n'y a presque plus de fonctionnaires au niveau central. Et donc, l'utilité, évidemment, de cet office central, donc on appelle l'OCDFO, n'est plus à démontrer. Évidemment, il faut que ce démantèlement doit être annulé, ce démantèlement est inacceptable. Il faut pouvoir revenir à un organisme qui puisse faire vraiment un travail correct et efficace, avec évidemment les moyens. Bon, voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on pourrait souhaiter. En gros, je n'ai pas tout dit, mais il y a tellement de choses à dire, comme dirait Paul, qu'on serait encore là jusqu'à demain matin. Et donc, il faut peut-être laisser la place aux questions des personnes qui nous écoutent. Oui, il y a pas mal de questions. C'est pour ça que je vais vous demander de répondre brièvement. Si vous n'avez pas la réponse, n'hésitez pas à dire. On n'a pas forcément la réponse à tout, mais il y a plusieurs questions qui concernent les moyens, parce que vous avez beaucoup d'idées. Il y a quand même beaucoup de gens qui réfléchissent à ce qu'il faudrait faire dans le monde idéal pour qu'il n'y ait pas de fraude fiscale. Et il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait faire dans le monde idéal, y compris, si je comprends bien votre propos, y compris au simple niveau de la Belgique, donc pas seulement au niveau international, au niveau européen, il y a aussi des choses qu'on pourrait faire au niveau belge. Mais la question maintenant, c'est sachant ce que vous venez de nous décrire, enfin, qui est quand même un tableau assez noir, sachant que les gouvernants n'ont aucun, a priori pas beaucoup d'envie de faire changer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qu'est-ce que peuvent faire les citoyens engagés pour la justice fiscale, pour faire pression sur le gouvernement? Chez Attac, on mentionnait tout à l'heure ces plaintes déontologiques, donc ça c'est un moyen et ça va continuer, ça va s'étendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'il y a des idées? Si je comprends bien Paul, une idée ça pourrait être de se battre sur le terrain idéologique, en gros, de dire dans le monde académique, le monde un peu dans le monde de l'idéologie, il y a quand même une bataille qui a été perdue, quoi. Enfin, il y a une bataille qui a été gagner du côté des fraudeurs fiscaux qui considèrent que finalement
il y a un marché de la fiscalité et que c'est tout à fait normal et qu'on peut choisir son impôt. Et ça, ça a infusé, y compris dans les revues académiques. Et je comprends bien, il y a une guerre idéologique à mener. Ça pourrait peut-être être une piste de réponse. Comment se faire entendre de ce point de vue idéologique? Et puis, ouais, peut-être ça pourrait être la première sous-question. Et puis, de façon plus générale, ouais, comment est-ce qu'on peut faire pression, quoi? Ah, comment peut-on faire pression? Daniel? Oui, ben, je veux bien faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des mouvements, des ONG, des syndicats, etc., donc, qui sont membres du réseau pour la justice fiscale, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'évidemment, pour la plupart des citoyens, l'impôt, ça fait peur. La plupart des gens ne vont pas dire qu'on est en paradis fiscal. On est en paradis fiscal pour les riches, évidemment. Mais pour le commun des mortels, évidemment, l'impôt, ce n'est pas vraiment très sympathique. D'autant plus qu'ils peuvent dire à raison qu'ils en payent de trop, par rapport à certains, évidemment. Donc, je dirais que tout le travail d'éducation permanente, tout le travail d'information est très important. Et alors, pour être concis et concret, au niveau donc, du réseau justice fiscale et donc du CNCD 1111, nous avons donc, depuis un an lancé une campagne justice fiscale. Et ici, on s'est dit, il faut en taper sur le clou. Le CNCD 1111 a publié là, donc, dans le soir, il y a 2 jours, une enquête qui montre que les Belges, en gros, sont pour la justice fiscale, y compris les Flamands. Donc l'opinion publique est avec nous, il faut en profiter. Et donc, c'est le moment de taper sur le clou. Et donc, nous aurons donc 2 actions programmées, une début décembre, une début janvier. Début décembre sera plutôt à la Tour des Finances. Début janvier, c'est au Square des Milliardaires à Bruxelles. Et donc, en fait, nous allons donc, filmer ça. Il y aura des vidéos qui vont annoncer ça. Il y aura des vidéos qui vont évidemment publier les événements. Donc, c'est diffuser au maximum l'information. Ce que chaque citoyen peut faire sans trop de difficultés, c'est donc diffuser, partager tout ce qui va apparaître sur les Facebook, aussi bien l'attaque du réseau pour la justice fiscale ou bien de Pour et d'autres associations. Donc ça, évidemment, c'est une chose, en se disant que si réellement ces actions ont un impact, le politique devra nous écouter, c'est pas pour ça qu'il va changer. En tout cas, nous, on a programmé d'avoir des rencontres avec le cabinet du ministre des Finances et avec les vice-premiers ministres. On tapera sur le clou, on leur dira exactement ce qu'on pense, c'est pas pour ça qu'ils vont changer, mais en tout cas, le citoyen moyen peut, on va dire, que ce soit au niveau donc, des plaintes disciplinaires, donc des plaintes déontologiques plutôt initiées par attaque, que ce soit au niveau de notre campagne justice fiscale, participer, mais en sachant, c'est vrai, qu'on a en face de nous des gens qui n'ont pas envie de faire changer les choses. C'est clair que les gens qui ont des moyens, s'ils ont 1 million de patrimoine, ils en veulent 2. S'ils ont 2 milliards, ils veulent 4 milliards. Donc la rapacité et la cupidité n'ont pas de limite. Et donc c'est vrai que, et ça veut dire la cupidité, ça veut dire aussi la corruption. Hein, je ne dis pas que tous les politiciens sont corrompus, je ne vais pas dire ça, mais il y a à la fois une corruption financière, elle doit être là, mais aussi idéologique, comme on l'a dit avant. C'est clair que si tout ça joue, je reviens à ce que Paul a dit avant, c'est parce que, évidemment, la justice fiscale est loin d'être, en tout cas, une priorité dans la tête de nos dirigeants et encore moins, évidemment, des puissances économiques qui dirigent le monde. Je voulais peut-être rajouter ceci, c'est que pendant que Daniel parlait, parce que sinon j'avais aucune idée au départ précise, c'est ça que j'ai passé la parole à Daniel, une chose qui pourrait être faite, c'est ceci. En fait, si on prend mon leitmotiv, moi, c'est que les lois ne sont pas appliquées et on est quand même un pays démocratique, donc en principe elles devraient l'être. Et je vais illustrer ce que je viens de dire par mon expérience personnelle, donc on va dire une bonne 20aine d'années à Lizy-Bruxelles, et en plus à la belle époque, c'est-à-dire à l'époque où on avait un directeur qui s'appelait Marcel Lamy, qui était un véritable baroudeur, et ben, sur 20 années à Lizy-Bruxelles, le seul dossier où des peines de prison ont été appliquées, je dis bien le seul, c'est pas un dossier à moi, c'est un dossier d'un collègue de Liège, il se reconnaîtra s'il est branché. Donc, 20 années, tous les dossiers dont j'ai connaissance sur Lizy-Bruxelles, où c'est quand même là que les grosses fraudes se passent, une seule condamnation à de la prison ferme. Une seule. Et on ne peut même pas dire que c'est une condamnation réelle à de la prison ferme pour de la fraude fiscale,
parce que l'individu en question, que je ne citerai pas, il avait en plus, si vous voulez, escroqué la sécurité sociale, était coupable de dichotomie. Donc, il avait impliqué une trentaine de médecins. Donc, c'est un dossier qui n'était pas que de la fraude fiscale. Je suis même persuadé que s'il n'y avait pas ces deux aspects-là, il n'y serait pas allé en prison. Donc, ici, il faut qu'on sache qu'en fait, les lois ne sont tout simplement pas appliquées, quoi. Alors, la question de départ était, qu'est-ce que les organisations peuvent faire? Pourquoi ne feraient-elles pas, c'est du boulot évidemment, une enquête sur les gros dossiers de fraude fiscale des 20 dernières années? Donc, colonne de gauche, les gros dossiers de fraude fiscale et même les moyens. Et colonne de droite, le nombre de peines obtenues. Et on se rendra compte qu'en fait, il n'y en a pas, quoi. Des peines de prison pour de la fraude fiscale pure, ça n'existe pas, quoi. Alors, rien que ça, si vous voulez, aller dire aux citoyens, ben voilà, on est dans un pays où on prétend que la fraude est réprimée, etc., mais ce n'est pas vrai. Et simplement démontrer, si vous voulez, la réalité belge, pas ce qui se dit dans les journaux, pas... Je suis certain que les Belges, quand ils vont dans des conférences internationales, ils parlent de leurs articles et des peines de prison, alors qu'elles ne sont pas appliquées, quoi. Ce qui est honteux, si vous voulez, c'est que la Belgique est un paradis fiscal et qu'elle a toupé, je suis persuadé, d'aller donner des leçons dans les conférences internationales. Non, il faut que nous, Belges, on fasse apparaître notre pays tel qu'il est. Et ce sera peut-être une façon que les choses changent. Voilà. Par exemple, déjà commencer par faire un peu plus de bruit dans les médias. Il y a des gens dans le chat qui ont des suggestions, grève, désobéissance civile. Je ne sais pas exactement comment ça devrait se passer. Daniel, tu mentionnais la grève de la faim de la Rotorue. Oui, oui, oui. C'est un député européen français, c'est ça? C'est un député européen français, donc qui actuellement... donc, puisqu'il est rapporteur du budget au niveau donc, du Parlement européen, et il s'est rendu compte, en fait, il s'est rendu compte, le Parlement européen, à majorité, est favorable à une taxe sur les transactions financières pour à la fois financer la transition écologique et solidaire, lutter évidemment contre la pandémie, et donc avoir des ressources propres. Avoir des ressources propres à l'Union européenne, alors qu'actuellement on emprunte, l'Union européenne a emprunté, mais un jour il faudra bien que quelqu'un paye. Si c'est le citoyen moyen, évidemment c'est inacceptable. Et donc lui a fait une grève de la faim, parce qu'en fait le Parlement, en guillemets, le suit au niveau en tout cas des idées, mais il y a un blocage au niveau du Conseil des ministres. Donc il n'y a pas d'accord au niveau du Conseil des ministres pour mettre en application cette taxe qui, sur les transactions financières qui date depuis très longtemps. Bon, au début de l'attaque, on parlait de la taxe Tobin, là c'est une taxe sur les devises. Ici, c'est une taxe qui vise les transactions financières, mais le principe entre guillemets est le même. C'est une taxe qui est en pourcentage très faible et qui peut ramener, dans les dernières estimations, ça pourrait ramener 50 milliards d'euros par an au budget européen, ce qui n'est pas rien. Et on se demande pourquoi, on fait toujours appel aux citoyens lambda qui doit payer sa TVA, qui doit payer ses impôts, alors par contre que ici le lobby financier freine des cas de fer et notamment absolument derrière les États les empêche de mettre en exécution cette taxe sur les transactions financières. Donc ça c'est évidemment un combat très important au niveau de la taxe, c'est clair, c'est quelque chose que l'on soutient depuis très longtemps, mais le lobby financier est très puissant. Et là peut-être que même, je ne sais pas si Paul a deux minutes, il peut dire, parce que lui, en guillemets, s'est attaqué à un lobby financier aussi, lobby bancaire, pendant sa carrière. Il a pu constater directement, beaucoup plus que la moyenne des gens comme moi, comme les participants ici, la puissance des banques. C'est vrai que c'était il y a quelques années, mais c'est quand même, on a vu, un exemple intéressant. Si Charlotte est d'accord, que Paul explique peut-être ça. Ben oui, bien sûr, je suis d'accord. Oui, je vais essayer de faire bref. Ben, c'est pas compliqué. Dans ma carrière, surtout à l'époque, au départ, comme tout fonctionnaire, on commence avec des petits dossiers de société. J'étais en contrôle société avant de passer à l'ISI. Et puis là, bon, on se dit, ben, c'est vrai, avant j'étais un citoyen, disons non fonctionnaire, pensant que tout était pourri, hein, c'est ce que la plupart des gens pensent. Eh bien, je vais vous surprendre, pendant mes 6-7 premières années en administration, barré, influencé, je dirais calmé dans aucun dossier. Donc, je faisais mon boulot, honnêtement, et je n'avais pas des chefs de service qui me disaient « celui-là, tu ne le taxes pas ». Non, ça n'existait pas, ça. Et je suis arrivé à l'ISI, et là,
j'ai monté dans la taille des dossiers. Le premier dossier que j'ai eu, le type, il avait fraudé seul, à lui seul. Il avait fraudé à peu près 1 milliard de francs belges. C'était en francs belges à l'époque. Je me dis, voilà, je vais me faire calmer, quoi. On ne va pas me laisser aller jusqu'au bout. Et ben non, ça s'est passé tout à fait normalement, aucune influence quelconque. Sincèrement, là je me disais, mais ce n'est pas possible, quoi. Je croyais au départ que dès qu'on arrive à un certain niveau, ben on se fait calmer. Mais non, non. Ça tenait aussi au fait, évidemment, que le directeur de l'époque, je le recite, Marcel Lamy, était ce qu'on peut appeler un Elliot Ness. Donc, à la centrale, il n'osait même pas essayer de le calmer parce que c'était un type hors du commun. À mon avis, le seul depuis 1830. Voilà, c'est dit. Mais si vous voulez, donc jusque-là, pas de problème. Et puis, j'ai eu la malchance, de tomber. C'est même pas moi qui suis tombé dessus, c'est un collègue, mais qui après a eu quelques soucis de santé, donc c'est moi qui l'ai repris, sur un dossier qui appliquait 13 banques belges, quoi, toutes les grosses fois. Et là, je me suis dit, ça va continuer, quoi, on va me laisser faire. Et là, j'ai vu que ce n'était pas le cas, quoi. Il y a eu un moment stratégique dans le dossier, si vous voulez. On était tombé sur des documents exceptionnels qui faisaient que la banque qui était devant nous était à genoux. Ils étaient d'ailleurs blancs comme des morts. Et ça aurait fait effet domino parce qu'ils avaient fait la même magouille que les 12 autres. Donc, c'était réellement un moment capital. Et là, je le cite, le ministre Maystadt est intervenu, mais en fait, les pièces, on les trouve le vendredi. Le lundi, donc, les banques se mettent à genoux et disent « Ok, on va essayer de transiger ». Et on avait rendez-vous à 11h le matin et le ministre intervenait et nous interdisait de prendre l'accord tel qu'on voulait le prendre alors qu'on l'aurait eu sans aucun problème. Donc là, c'est intervention ministérielle directe, totalement illégale. Et là, j'ai pu comprendre que il y a là le niveau auquel on ne va pas, quoi. Et donc, moi, personnellement, avec une série de collègues, on avait essayé de lancer une commission d'enquête parlementaire, on l'a obtenue. Et ce que je demandais et que je n'ai pas obtenu, moi, c'était surtout ça que je voulais, c'était un comité F. C'est-à-dire, à la police, il y avait le comité P. Enfin, pas la police, c'est un service qui dépendait directement du Parlement et qui avait une très, très belle réputation. Donc, des gens qui chassaient la corruption. Je crois que maintenant, d'ailleurs, ils ont été déplacés et ils ne dépendent plus du Parlement, donc ils ont perdu de leur indépendance, je pense, enfin, à vérifier. Mais j'aurais voulu qu'il y ait un comité F, c'est-à-dire le petit fonctionnaire qui se retrouve avec la centrale ou le ministre qui essaye de s'aborder un dossier, et bien, un organe indépendant interne, mais indépendant. Quand je dis interne, non, pas interne, indépendant, dépendant directement du Parlement, qui permet justement de réagir contre ça. Et malheureusement, la commission d'enquête là, n'a pas retenu l'idée et je le regrette. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Donc, il y a clairement un niveau, si vous voulez, c'est pas forcément un niveau de richesse parce que j'ai des contribuables riches qu'on m'a laissé taxer, on va dire. Mais une fois qu'on touche aux banques, là, on touche aux piliers de nos sociétés occidentales et là, ça, on ne touche pas, quoi. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Oui, donc pas tous pourris, mais quand même. Ouais, oui, voilà. Quoi. Il y a quand même des trucs pourris. Oui, il y en a, oui. Et uniquement, oui. On va peut-être voir s'il y a des gens qui veulent parler dans le public. Bonjour. J'utilise mon privilège de package, parce que là, je vois qu'il n'y a pas de main qui se lève encore. Mais donc, j'avais une question. À votre avis, quel est l'argumentaire des partis de droite et de ceux qui sont contre l'augmentation des effectifs de l'administration fiscale pour contrôler la fraude, etc. Parce que d'un point de vue de rationalité formelle, il y a un intérêt d'avoir une augmentation des budgets de l'État, même si on peut dire des politiques de droite par ailleurs après. Donc, demander un peu, enfin, comment est-ce qu'il justifiait le fait de diminuer les effectifs des contrôles fiscaux, etc. S'il y avait un peu derrière une certaine rationalité de leur point de vue pour dire qu'il faut un certain niveau de fraude fiscale pour assurer l'optimalisation de l'économie, je ne sais pas. Mais donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments. À mon avis, Daniel a beaucoup plus à dire que moi là-dessus. Tu pourras compléter, oui.
Moi, je voulais juste dire une petite chose. Je ne suis pas sûr qu'il faille forcément augmenter le niveau des effectifs. Parce que l'argument des partis de droite, c'est de dire qu'en Hollande, ils en ont beaucoup moins. Et je suis, moi, plus d'avis d'avoir, disons, une direction, une administration centrale qui a un seul objectif, c'est l'efficacité. Donc, je suis convaincu qu'on est assez. Daniel dira peut-être autre chose, mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est l'efficacité et une volonté réelle de lutter contre la fraude qui n'existe pas au niveau de l'administration centrale. C'est, disons, une lutte de façade. Mais je préférais personnellement qu'on réduise encore le personnel, mais qu'on ait à la tête de l'administration centrale des gens qui ont un seul objectif, l'efficacité, quoi. Et comme, donc, réduire, j'exagère peut-être, mais en tout cas, l'augmenter, je suis persuadé que ça n'est pas nécessaire. C'est beaucoup plus important d'avoir une réelle volonté politique au-dessus de nous rendre efficaces, quoi. Voilà. Oui. Mais quand j'ai dit augmenter, c'est plutôt arrêter l'hémorragie, quoi. Puisque, évidemment, le personnel chute, et finalement, on va se retrouver avec une administration sans personne, quoi. Donc, ça veut dire, c'est pas augmenter, c'est au moins arrêter l'hémorragie du personnel expérimenté qui s'en va, et qui n'a même pas le temps de former des jeunes, parce qu'évidemment, tu sais comme moi qu'on ne se forme pas comme ça rapidement à ce métier, c'est sur le terrain qu'on apprend, et donc s'il n'y a pas d'anciens, parce qu'ils sont passionnés pour former des jeunes, évidemment, on va droit dans le mur, c'est surtout ça l'important. Mais alors, oui, je suis d'accord avec toi. La qualité et la quantité, fatalement, il y a les deux, la qualité et la quantité. Mais alors, pour le discours de la droite, mais c'est comme pour toutes les administrations, c'est de dire qu'il y a trop de fonctionnaires, donc on dépense trop d'argent, c'est le discours de l'austérité, quoi. Le discours de l'austérité dans tous les pays, en tout cas occidentaux, qu'on diminue, on diminue les effectifs, ben aussi bien chez nous que la magistrature, que un peu partout, quoi, hein. Et donc, pour faire des économies, simplement pour ça. Et alors, au niveau des finances, comment on justifie cela? En disant, ben oui, la digitalisation résout les problèmes, et donc, on a moins besoin de personnel, sans doute, pour les tâches, on va dire, répétitives. Il y a un certain nombre de choses, évidemment, qui vont beaucoup mieux avec la bureautique, on peut pas dire l'inverse. Mais par contre, pour contrôler un dossier, pour voir sur place, il faut du temps. Et donc, ça, la machine ne va pas le faire à notre place. Hein. Même chose si on veut contrôler le trafic de cocaïne au port d'Anvers, il faut des gens sur place également. Ce n'est pas la machine, ce n'est pas en télétravail qu'on va pouvoir faire ce travail-là. Hein. Donc, il faut quand même des moyens humains. Mais ça, je crois que, idéologiquement, évidemment, la justice fiscale n'est pas dans les objectifs de la droite. On va voir. On est bien d'accord. Ouais, ça, c'est clair. Hein. Donc, on est bien d'accord. Et les citoyens disent l'inverse, évidemment aussi. Donc, ça, c'est une question politique avant tout. On va voir ici avec un gouvernement gauche-droite. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, le ministre des Finances est un centre-centre ou centre-droit, on n'en sait rien, ou centre-gauche. On verra dans les prochains mois de quel bois il se chauffe. Mais en tout cas, c'est clair qu'il n'est pas vraiment, en tout cas, étiqueté à gauche, c'est clair. Et puis, j'avais déjà entendu parler aussi, dans le temps, Jean-Marc Delporte, lorsqu'il était administrateur adjoint des impôts, nous dire, quand on était donc au syndicat, que même si on mettait un ministre socialiste au gouvernement et aux finances, ce n'est pas nécessairement pour ça qu'il ferait la justice fiscale un objectif, tout dépend sur qui on tombe aussi, évidemment, ça c'est clair. Donc, voilà, il faut vraiment que les politiques se rendent compte que le citoyen est derrière et vu autre chose. Évidemment, on sort d'une crise, on s'est bien rendu compte que le secteur de la santé a été pas financé ou sous-financé ces derniers temps. La sécurité sociale, évidemment, a été laminée par tous les cadeaux fiscaux et tous les cadeaux plutôt en termes de cotisations patronales faites évidemment aux entreprises. Donc c'est clair qu'après 30-40 ans où on a sabré dans les dépenses collectives, en suivant une idéologie néolibérale. Donc, c'est clair que. Et donc, ce manque de moyens donné à l'administration fait partie d'un objectif de dégraisser l'État. C'est un objectif, évidemment, qui est aussi soutenu par ce qu'on oublie, mais que Christian Savestre, d'Attaque Goussel, nous rappelle souvent, ce qu'on appelle les Big Four, c'est-à-dire les grands cabinets de conseil d'audit, comme PwC, Deloitte, etc. Ces cabinets, 1 million de personnes engagées dans le monde entier, pour conseiller les gens à faire de la fraude et d'évasion fiscale. Et ces gens-là, ils ont un objectif politique, faire en sorte que les États n'existent plus. Privatisation, c'est un objectif très clair. Hein. Il n'y a pas seulement le fait d'enrichir les riches, il y a l'objectif politique que les États n'existent plus, que tout passe au privé.
Donc, ça, c'est l'ennemi qui est en face de nous, mais c'est un combat idéologique. Avec la difficulté que note un participant, qu'il y a une énorme, enfin plusieurs participants, qu'il y a une énorme disproportion entre le pouvoir de l'État d'un côté et puis de l'autre côté, la ribambelle d'avocats fiscalistes, de réviseurs d'entreprises, de comptables, enfin de tout ce monde qui vit sur. Juste pour revenir un petit peu sur l'aspect politique et justification politique, il y avait une question sur. Je ne sais pas si, Daniel, tu as la réponse à ça, sur les précédents accords de gouvernement, pour avoir une sorte de comparaison. Est-ce que dans les précédents accords, par exemple, le gouvernement de Charles Michel, est-ce qu'il y avait quelque chose sur la fraude fiscale ou est-ce qu'ils ont juste complètement évité la question pour avoir un peu une idée de la crédibilité qu'on peut apporter à ce qu'il y a cette fois-ci dans l'accord de gouvernement. Enfin, c'est comme ça que je comprends la question. Je ne me rappelle plus très bien, mais à mon avis, l'accord de gouvernement précédent avec la NVA, évidemment, on ne pouvait pas avoir, je dirais même dans les intentions, quelque chose de progressiste. C'est clair que NR plus clair, NVA plus CDNV. Donc, même on n'aurait pas pu avoir un accord intéressant. Donc, je crois que celui-ci, sur papier, ça a l'air mieux. Bon, le pire que le précédent, ce n'est pas possible. Je ne sais plus qui avait dit un jour, ce n'est pas un gouvernement qui fait la lutte contre la fraude, c'est un gouvernement qui fait de la lutte pour la fraude fiscale. Je ne sais plus quel sommité avait dit ça un jour à la radio. Mais donc ici, je crois que sur papier, ça a l'air mieux, mais ce n'est pas pour ça que ça ira mieux. Oui, on a aussi des questions ou des commentaires, mais je crois que vous avez déjà répondu sur un peu la justice de classe, quoi, de dire on dit que les fraudes font de... que les pauvres, pardon... fraude les cotisations, le chômage, mais par contre, quand on parle des riches, on parle d'optimisation fiscale, tout de suite, on est entre gens de bonne compagnie. Il y avait quelques commentaires là-dessus. Oui, là, je peux peut-être intervenir. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Personnellement, je ne suis pas un grand chevalier blanc. Hein. Moi, je suis plutôt le gueux sur son âne, quoi. Hein. Donc, le sang chaud pour ça, on va dire comme ça. Soyons clairs, tout Belge, à un moment de sa vie, a enfreint des règles fiscales, y compris moi, je vais être honnête. Ça arrive à tout le monde. La différence, c'est que, et c'est ça personnellement que je trouve scandaleux, c'est que c'est comme pour les limitations de vitesse. Qui n'a jamais dépassé les limitations de vitesse? Le problème, c'est que si... je dirais un colonel de gendarmerie se fait attraper à 80 à l'heure au lieu de 50, ben il doit se faire condamner, comme le chômeur qui se fait attraper dans les mêmes circonstances. Donc ce qui personnellement me révolte, c'est, si vous voulez, c'est pas que des gens fraudent. Donc je ne suis pas pour un monde idéal, si vous voulez, où la fraude serait impossible. Non, je suis pour que lorsque des gens enfreignent la loi, qu'ils soient presse, gueux, comte, baron, ou ils aient la sanction, un point c'est tout. Et la société dans laquelle nous vivons n'est malheureusement pas celle-là, quoi. Donc, vous parlez de l'optimisation fiscale, mais non, c'est un mot creux, ça. Avec des bonnes perquisitions, il n'y a quasiment aucun montage fiscal qui passe la rang, sincèrement. Ça, c'est mon expérience. Si les perquisitions étaient bien menées ou si les contrôles surprises ont été faits au bon moment et que la hiérarchie n'intervient pas sur des gros dossiers, mais je vous dis, tous les montages fiscaux qui sont situés dans les paradis fiscaux, si on commence à les éplucher, ne serait-ce que parce que j'ai dit tantôt, ils sont tous il est archi clair qu'une société de Panama n'est pas dirigée de Panama. Donc, c'est-à-dire toute société de Panama, sauf ceux qui ont envoyé leurs vendeurs à Panama, mais ça, sur 10 000 sociétés, il y en a une qui a fait ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 9 990 sociétés qui sont en fraude fiscale, pas en optimisation, en fraude fiscale pure et simple. Et c'est ça que... non, l'injustice est dans le fait que certains peuvent frauder, et je ne dis pas peuvent optimiser, peuvent frauder sans crainte, et d'autres, s'ils fraudent, ben, ils se font attraper, quoi. Voilà, et ils se font punir. Pas en prison, mais ils se font punir financièrement déjà. Mais les autres, ils ne se font même pas punir financièrement. Et le scandale, il est là, en fait. Oui, surtout dans un pays qui se dit démocratique, où il y a sur le papier une égalité devant la loi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Plusieurs remarques sur la convergence des luttes. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Mais voilà, en termes de moyens, ben, on comprend bien que
Clairement, la fraude fiscale, par la lutte contre la fraude fiscale, ça fait pas recette. On essaye de faire ce qu'on peut, mais bon, les choses ne changent pas. Mais il y a des gens qui se battent pour la justice climatique, il y a des gens qui se battent pour la justice sociale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire front commun? Je crois qu'en France, ça a été formalisé. D'ailleurs, il y a un accord, il me semble, entre Attac France, je crois que c'est la CGT, donc un syndicat, et puis une association écologiste, mais qui est son nom. Donc, est-ce que ça, c'est une piste de solution pour faire un peu pression? Oui, tout à fait, mais je trouve qu'un bel exemple de collaboration entre Attac, qui est quand même un fer de lance, et une série d'associations, c'est justement votre initiative contre les deux avocats et l'expert fiscal dans les Dubai Papers, où là, si j'ai bien lu dans les journaux, il y a Attac avec toute une série d'organisations, en plus de personnes physiques qui se sont jointes à vous, mais vous êtes arrivé à vous associer avec le réseau de la justice fiscale, le CNCD 1111, je crois, une série de... Ça, je trouve, c'est réellement... bon, voilà, je suis dans le monde de la fiscalité depuis maintenant peut-être une quarantaine d'années, et sincèrement, c'est la première fois que je vois une initiative originale, en plus très bien ciblée, vu que dans votre filet, vous avez attrapé le pape de la fiscalité. Et la collaboration que vous êtes arrivé à établir avec une série d'autres organismes, je trouve que ça, c'est une véritable note d'espoir. Voilà. Oui, au niveau du réseau pour la justice fiscale, c'est vrai qu'on travaille en étroite collaboration avec les syndicats et je crois que la justice fiscale est une priorité pour les top, pour les responsables syndicaux. Mais ce n'est pas pour ça que tous les affiliés, évidemment, suivent comme un seul homme. Mais en tout cas, au niveau des orientations stratégiques du mouvement syndical, c'est clair qu'ils sont maintenant très, très forts là-dessus. Mais voilà, on essaie de collaborer au maximum. Et pour le lien avec, comment dirais-je, donc les questions climatiques, je crois qu'il y a des liens à faire. Lorsque nous avons fait notre action devant le Conseil des ministres européens en faveur de la taxe sur les transactions financières, il y avait donc Adélaïde Charlier qui était là, et donc les jeunes pour le climat, je crois qu'ils sont tout à fait sensibles aussi au fait que si on veut une transition, il faut des moyens. Les moyens, il faudra les trouver quelque part. Je crois que de plus en plus de jeunes se rendent compte que nos services publics, si on veut qu'ils soient financés, il faut des moyens et il faut les trouver. Et je crois donc, au niveau des militants, on va dire comme ça, je crois qu'il y a des ponts et des convergences, ça c'est très clair, oui. Merci, je vois qu'on a dépassé un petit peu du temps imparti. Je finis juste sur une suggestion que quelqu'un a mis dans le chat, qui dit on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait aux écrivains publics, et on pourrait avoir des sortes d'écrivains, enfin des ateliers d'écriture comptable qui seraient offerts aux petits citoyens, petits indépendants, PME, enfin en gros les victimes de la fraude fiscale, si je comprends bien. Il y aurait des guichets publics d'optimisation fiscale. Mais ah oui, démocratiser l'optimisation, oui, c'est bon. Mais je rappelle que l'optimisation, surtout internationale, est pratiquement toujours de la fraude fiscale. Donc, mais d'une certaine manière, ça serait une idée, quoi. Ce serait une façon de forcer, parce que là, évidemment, il ne resterait même plus assez d'argent au niveau du trésor public pour payer l'armée, la police, et ceux qui nous dirigent, ils veulent quand même encore avoir l'armée et la police pour réprimer les révoltes de gilets jaunes et autres contestataires. C'est aussi une façon de montrer que le roi est nu. Enfin, je parle pas du roi belge. Hein. Oui, voilà. Oui, non, mais c'est un peu la réalité des choses, quoi. C'est une idée originale, oui, tout à fait. Moi, j'ajouterais que le SPF Finance est un service public, donc normalement. On est là pour conseiller les gens, en tout cas les personnes qui sont dans ce qu'on appelle les front office, sont là pour conseiller les contribuables qui viennent demander des renseignements. Évidemment que la pandémie, tous ces services ont dû fermer, mais dans un monde sans pandémie, on va dire comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on ferme de plus en plus. Il y avait beaucoup plus de bureaux au sein du SPF Finance dans le pays avant, et depuis, déjà avant le gouvernement Michel, déjà les gouvernements précédents, on ferme des bureaux. Ça veut dire que les gens qui ont moins de moyens, simplement, doivent, sinon pas de voiture, se déplacer, prendre un bus, ça prend un temps fou si vous êtes de la province de Namur ou de la province de Luxembourg. Et donc, on éloigne le service public du citoyen. Et ça, c'est une erreur monumentale. En tout cas, c'est clair que pour les plus précaires, c'est une perte totale qui affecte peu, évidemment, ceux qui ont les moyens et qui peuvent, évidemment, tout à fait utiliser MyMinFin, donc tous les services informatiques qui existent pour être liés à l'administration. Mais celui qui a difficile de s'exprimer,
et qui veut donc s'exprimer en face à face avec quelqu'un, eh bien, lui, il a de moins en moins de moyens. Et donc, moi, je rejoins un peu la question. On est un service public, l'aspect finance, je mets toujours dedans, je suis retraité, mais c'est un service public qui est au service du citoyen, et c'est loin d'être le cas, et c'est de moins en moins le cas, hélas. Et je vais tout à fait confirmer ce que tu dis, ce que j'ai toujours trouvé profondément scandaleux. Je suis désolé d'interrompre, peut-être le mot de la fin. Vas-y, après, on va, entre guillemets, rendre l'antenne. Ah, d'accord. Ça ne méritait pas d'être le mot de la fin. Vas-y, donc, vas-y, si tu as des choses. C'est un détail, mais il y a certaines dépenses qui pouvaient être optimisées, donc optimisées dans le bon sens du terme, de pouvoir les répartir sur les deux conjoints. J'ai toujours trouvé profondément scandaleux que l'ordinateur central de l'administration ne le faisait pas d'office. Et ça, c'est une véritable honte. C'est-à-dire qu'effectivement, je rejoins Daniel, celui qui n'a pas de conseiller, qui n'a même plus des gens du service public pour faire cette petite optimisation, totalement légal, c'est évidemment l'administration qui a dû le faire d'office dans ses programmes informatiques. Et le fait de ne pas le faire, ça, c'est quand on voit ce qui se passe au-dessus. Non, je pense que ça, ce sera peut-être le mot de la fin. Si les gens savaient ce qu'est l'injustice fiscale, ils mangeraient leur déclaration quand ils la recevraient. Voilà, ça, c'est mon mot de la fin. Donc moi, mon mot de la fin, c'est à nous de leur faire savoir, quoi. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup Paul et Daniel pour tout ce que vous nous avez appris. Je remercie les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions, apporté des éléments. C'était vraiment très riche. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je rappelle que vous pouvez suivre ATTAC, vous pouvez suivre le réseau Justice Fiscale sur Facebook, vous abonner aux newsletters, etc. Et lire le journal pour. Et peut-être que Paul nous écrira un article, on ne sait pas. Why not? Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous vouliez dire et qui n'ont pas pu être dites, donc peut-être c'est l'occasion de les écrire. Mais en tout cas, on va continuer le débat sous une autre forme. Merci encore beaucoup, et donc voilà, le meeting va se terminer. Okay. Bonne soirée à tous. Bye. Merci.